à tous. Aujourd'hui, atelier masque à l'impro de Ribécourt-Drélincourt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que tu fais, Océane? Je suis en train de tracer sur le tissu doublure. Et après, ça sera coupé et on les met en deux avec une épingle. Bravo! Et toi, Séma, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je trace les gabarits sur l'épingle. D'accord. Attends, je m'en D'accord, ça c'est tes gabarits alors. Et que tu reproduis sur ton tissu éponge. D'accord. Et toi, Evan, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en train de découper. Tu découpes? Le tissu éponge. Tu découpes ton tissu éponge, d'accord. Ah, il y a Véronique qui est en train de coudre à la machine. On va aller voir ce qu'elle est en train de faire. Alors, qu'est-ce que tu fais, Véronique? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je couds un masque. Ah, tu couds un masque. D'accord. Et là, tu es en train d'assembler les deux parties du tissu décoratif, c'est ça? Oui. Et tu couds où exactement? Là, sur les parties arrondies? Oui. Et ton tissu blanc, c'est quoi? C'est la doublure, c'est ça? Oui. Et puis après, tu as aussi ton tissu éponge que tu vas assembler. Tu vas assembler donc les deux parties de tissu à chaque fois. Oui. Bon, écoute, Véronique, bon courage. Ah, Véronique a changé de poste de travail. Elle est arrivée sur la centrale vapeur professionnelle. Alors, explique-moi, Véronique, ce que tu es en train de faire. Je repasse. Elle repasse, tu es en train d'ouvrir les coutures sur le tissu décoratif. Montre-nous un petit peu alors. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux ouvrir là maintenant que tes deux coutures sont assemblées pour voir un peu ce que ça donne? D'accord. Voilà la partie du tissu décoratif. Puis je vois qu'il te reste deux autres morceaux. Donc il y a... D'accord. Ça c'est ton tissu éponge? Oui. D'accord. Et puis après, ici, ça va être ta doublure, d'accord. Tu pourras nous les ouvrir, qu'on se rende compte un petit peu, s'il te plaît. D'accord. Le tissu éponge qui va être à l'intérieur. Et puis là, ouvre un petit peu, qu'on se rende compte. D'accord. Et ça va être la doublure. Bon, bah d'accord. Noémie est en pleine couture. On va aller voir ensemble ce qu'elle est en train de réaliser. Est-ce qu'on peut avoir des explications, Noémie, sur ce que tu fais? Je suis en train de coudre l'éponge et la doublure ensemble. Là, j'ai cousu le haut et là, je suis en train de faire le bas. Parfait. Bah écoute, merci de ces explications. Je vais aller voir ce que Natacha est en train de faire. Est-ce qu'on peut avoir des explications, Natacha? Je peins le tissu sur la doublure. Voilà. Alors là, tu as mis donc l'éponge et puis la doublure ont été cousues en haut. Et en bas. Et maintenant, tu Je viens donc... mettre l'épingle. Alors, tu mets bien tes épingles ici. Au niveau de la couture, en haut et en bas. Qu'est-ce que tu fais, Coralie? Je coupe les masques. Les masques. C'est les masques ou les fils que tu es en train de couper? Couper les fils. Ah, tu coupes tous les fils entre les masques, c'est ça? Oui. D'accord, il y en a déjà pas mal hein, de fils. Hein. D'accord. Bon, bon découpage, Coralie. Donc, Natacha a mis une épingle sur les coutures. Elle a fait correspondre toutes les coutures ensemble. Elle a mis une épingle en haut et une épingle en bas. Donc là, je vais coudre la partie haute et après, je vais coudre la partie basse. Je commence par un point d'arrêt. Alors, Séma, qu'est-ce que tu es en train de faire? Maintenant que Catherine, elle a cousu en haut et en bas, je retourne. Alors, montre-nous comment tu fais pour retourner ton masque. D'accord. Ok, d'accord.
Voilà. Allez, montre-nous la partie décorative du tissu. D'accord, je comprends. Maintenant que Sema a retourné le masque, je vais surjeter les deux parties qui sont ici afin que le tissu ne s'effiloche pas lorsque je vais faire mon petit ourlet pour passer l'élastique. Donc je me mets sur la surjeteuse raseuse. Voilà. Et je surjette. Voilà ce que ça donne, ça évite que tous les fils, et après je fais un pli, je fais ma piqûre à la machine et mon masque est terminé, il ne me restera plus qu'à passer mon élastique. Qu'est-ce que tu fais Catherine? Ah, et bien alors Sema, tu vois, nous avons surjeté les deux côtés, maintenant je vais faire ma piqûre ici sur la machine à coudre, je vais commencer par mon point d'arrêt. Et je vais piquer jusqu'au bout. On va aller voir ce qu'Ibrahim est en train de faire. Tu nous expliques, Ibrahim, ce que tu fais? Avec l'épingle à nourrice, je passe l'élastique. Alors, montre-nous comment tu fais. D'accord. Bah, merci, Ibrahim. Et voilà nos réalisations terminées. Regardez comme ils sont jolis. Ouais. Waouh, les beaux masqués. Super. Lâchez les pouces bleus. Ouais. Vous avez bien travaillé, bravo. Océane, tu as des choses à nous dire, je crois. Je t'écoute. Nous remercions l'association Le Château qui nous a offert le tissu éponge. Les jeunes ont pu réaliser 70 masques. Merci Océane. Alors voilà, un gros plan sur tous les masques réalisés. Et voilà, nous avons utilisé plein de couleurs. Et voilà, la réalisation des jeunes de l'IMPRO de Ribécourt-Drénincourt.